1845, Louis-Nicolas Auguste Flaubert, un armurier parisien avec un nom vraiment très long, crée cette toute première munition à percussion annulaire. La toute première munition à percussion annulaire. Il répond en fait simplement à la demande des tireurs sportifs de l'époque qui souhaitaient pouvoir tirer chez eux, en intérieur. Fallait donc une munition qui soit pas trop puissante, hein. On n'est pas sur des longues distances, et surtout qui produise peu de bruit, pour éviter les acouphènes. Voici une coupe de l'intérieur du canon de ma carabine 22 Long Rifle. Le calibre 22, le diamètre de 22, se mesure au plus large, de creux à creux de rayure. En convertissant ce diamètre de 22 avec notre système métrique à nous, ça donne du environ 5,7 mm. Comment se fait-il alors que j'ai pu tirer cette munition de 6 mm et que la balle n'est pas restée coincée à l'intérieur de ce canon ? C'est tout simplement qu'il s'agit d'une simple appellation et non d'un calibre réel de 6 mm. En gros, à cette époque, il n'y avait rien sur quoi se baser, il n'y avait pas de standardisation, il n'y avait pas de cote à respecter. C'est une création pure et c'est ensuite que les armes ont été créées pour pouvoir tirer cette munition. Si vous voulez, en gros, le créateur donnait en fait le nom qu'il souhaitait à cette époque pour les munitions et c'est resté ainsi. Vous aurez remarqué que depuis tout à l'heure, je manipule une cartouche plutôt ancienne. Et effectivement, cette munition provient d'une boîte datée de 1850. Je remercie au passage le collectionneur de cartouches qui m'aura permis de l'obtenir. Vous voyez encore sur sa balle oxydée le F en relief de la maison Flaubert. Donc en prenant le diamètre avec ce pied à coulisse, vous voyez bien que cette munition originelle fait bien 5,7 mm de diamètre, qui est du coup du 22. Alors, 6 mm Flaubert. C'est déjà très dur pour nous Français de dire 6 mm Flaubert. Alors imaginez pour un Américain, là où la munition a rencontré un vif succès. On comprend pourquoi du coup ils ont baptisé cette munition la 22 PB Cap. 22 tout simplement, puisque c'est de la 22, on vient de le voir, et BB cap, cap, la capsule. Donc avant 1820, on avait les platines à silex. Pour faire partir un coup, on venait faire frapper le silex qui allait créer une étincelle et enflammer la poudre contenue à l'intérieur du canon. Après 1820 est apparu le fameux système cap and ball, les fusils cap and ball. Donc de la même manière que pour le silex, on venait charger
par la bouche du canon. Donc on mettait la poudre, la balle, on tassait le tout avec la baguette, on armait. Sauf que là, sur la petite cheminée, on disposait une cape, une capsule. Dans cette capsule, on avait l'amorce de l'époque, du fulminate de mercure, et on pouvait faire partir le coup plus efficacement qu'avec les silex. Vous l'aurez compris, Monsieur Flaubert a l'ingénieuse idée de récupérer cette capsule, de rajouter une petite balle dessus. Voilà comment est née la toute première munition à percussion annulaire de l'histoire. Donc 22, on aura compris, c'est le diamètre réel de la balle. Cap pour capsule, ok. Mais alors BB, ça veut dire quoi? 22 ball bridge cap. Une traduction que je peux vous faire, excusez mon anglais, c'est la balle de 22 sur la capsule qui s'introduise au niveau de la culasse. Le concept de la cartouche d'aujourd'hui est là, le nom a tout son sens, les Américains ont vraiment le sens du pratique. Rien à voir donc avec le nom français, 6 mm Flaubert. 6, déjà c'est pas ça, et personnellement, j'aurais pas à poser mon nom sur une si petite cartouche. On s'est compris. 1845, donc, Monsieur Flaubert crée cette munition. Il va également créer les armes pour pouvoir la tirer, les fameux pistolets de salon. Quelques années plus tard est apparue cette 6 mm fabriquée par l'armurier Bosquet. C'est en fait une balle auto-nettoyante. Le projet de cette munition, c'est de pouvoir nettoyer le canon des armes de Monsieur Flaubert. Donc ici, vous voyez bien, on a des gorges avec une certaine longueur qui vont parfaitement épouser l'intérieur d'un canon. On comprend bien que ça va efficacement passer le balai à l'intérieur d'un canon. Et on s'est surtout rendu compte que cette forme bien spécifique permettait surtout d'être plus précis en cible. 1888, Monsieur Flaubert adapte sa 6 mm, adapte donc une balle conique plus précise qui évite également les rebonds de la balle ronde. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une bosquette, c'est-à-dire une petite munition privée de poudre avec une balle conique. Je vous propose maintenant de retourner en stand pour tester cette fameuse bosquette de fabrication actuelle. Vous allez voir le tir réalisé à 50 mètres sur un carton. On a quelque chose de vraiment très très correct malgré l'absence de poudre, c'est assez impressionnant. Et j'ai pu également tester cette fameuse pointe dans une pomme, âme sensible, s'abstenir.